C'est une question très importante de savoir quelle est la différence entre un coach et un thérapeute, que toute personne, autant dans le domaine thérapeutique que dans le domaine du coaching, devrait savoir. En fait, il y a beaucoup de différences. La première différence est dans la méthodologie, parce qu'il y a une profession qui s'appelle métier coach et il y a une profession qui s'appelle psychothérapeute, accompagnant, travailleur social, médecin, psychiatre, etc. Donc, la base, ce sont des études professionnelles pour faire en sorte de développer un métier. Donc, ça, c'est vraiment important et la méthode n'est pas la même. Dans l'orientation coaching, c'est une orientation beaucoup plus solution, pas uniquement orientée futur, mais très souvent, on amène la personne à atteindre son but, son objectif, mais aussi en allant chercher des ressources, en allant chercher des forces qu'elle a à l'intérieur d'elle, aussi dans son passé, comme on ferait partout. Mais l'orientation est vraiment ressources, solutions, compréhension, mise en place dans le présent et dans le futur, en retournant dans le passé, mais très ponctuellement. Dans l'orientation plus thérapeutique, là, on va travailler bien évidemment sur la souffrance, c'est-à-dire les difficultés, ce que les gens vivent, et aller en profondeur dans le vécu, dans l'expérience de la personne, dans son intimité. Même des fois, les gens vont dire des choses qu'ils n'ont jamais dit à personne, mais de l'autre côté aussi, mais là, dans ce qui fait mal, en fait. Et très souvent, c'est une orientation donc passée, puisque les gens retournent dans le passé, dans des choses qui ont été difficiles pour eux, en étant accompagnés par des professionnels qui savent gérer ça, et c'est ça qui est important dans cette approche-là, et en emmenant les personnes progressivement à être de plus en plus cohérentes et prêtes à vivre leur présent, et en installant bien sûr de temps en temps, en saupoudrant des forces pour qu'ils arrivent à vivre dans le futur. Ça, c'est essentiel. Donc, solution, orientation, coaching, force, mise en place de ce que la personne veut et désire atteindre, retour dans la souffrance, dans la difficulté, pour que la personne se reconstruise, apprenne avec elle-même et puisse avancer dans sa vie. Donc déjà au départ, on parle aussi de méthodes qui sont différentes, puisque dans l'orientation coaching, même si c'est de l'accompagnement, donc c'est toutes des formes d'accompagnement, c'est une philosophie beaucoup plus orientée dans ce qu'on appellerait aujourd'hui la psychologie positive. Donc aujourd'hui, il y a un petit peu plus de mélange, je dirais, entre les deux. Au Canada, donc je parle de chez nous d'où je viens, le mot thérapie ou thérapeute inclut les métiers de l'accompagnement. Donc par définition, ça a l'air peut-être étrange, mais par définition, le coaching fait partie des thérapies. Par contre, ce n'est pas de la psychothérapie. La psychothérapie voulant dire accompagner des gens en souffrance ou en difficulté. Thérapie voulant dire accompagner des gens vers un mieux-être. Donc déjà, c'est complètement autre chose en termes d'expression. Donc un client, une personne, va aller chez un psychothérapeute ou un psychologue lorsqu'ils sont en difficulté, lorsqu'ils ont des choses à régler, lorsqu'ils n'avancent plus dans leur vie parce qu'il y a des blocages. Et ils vont aller chez un coach quand ils veulent mettre en place des solutions, quand ils veulent avoir plus de joie, plus de bonheur, plus de vitalité et qu'ils veulent mettre des étapes pour arriver à des résultats.